Je veux que tous citoyens soient conscients de cet objectif de développement durable de l'agenda 2030 et qu'ils passent à l'action. Je suis exploratrice d'Antarctique pour but astronomique, pour tout ce qui concerne l'astronomie. J'étudie des étoiles, donc là-bas, la nuit dure 6 mois. Il n'y a pas de pollution de lumière. On a une très bonne qualité d'image, parce qu'on veut des bonnes qualités d'image pour étudier nos étoiles, nos galaxies et l'univers. Et d'autre part, je fais aussi des mesures sur tout ce qui est la turbulence atmosphérique, des mesures qui sont en connexion avec le changement climatique et tout ça. Notre but principal, vraiment, c'est de créer ce lien très très fort entre les sciences fondamentales et tout ce qui est développement durable. Donc, on essaye de mettre en place des politiques pour réaliser les 17 objectifs qui ont été cités dans l'agenda global 2030 par les Nations Unies. Donc, mon conseil et moi, on est là vraiment pour sensibiliser le monde, les citoyens, les intergouvernements, gouvernemental et ainsi de suite pour réaliser ces 17 objectifs de développement durable. Je veux que tous citoyens soient conscients des 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030 et qu'ils passent à l'action. Il faut qu'on ait par exemple la parité pour hommes et femmes dans les sciences, qu'on a plus de pauvreté, qu'on a moins de changements climatiques, les océans parfaits, de l'eau potable, et surtout, c'est de faire de notre monde de paix un monde unique et durable pour tout le monde.